Le succès et l'argent peuvent nous donner des envies sataniques. D'autres lions impliqués. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. C'est l'avis de Joseph Odugna qui a réagi au scandale sexuel qui secoue la vie de la footballeuse. Gaëlle Eganamouit est au cœur d'un scandale homosexuel au Cameroun. Quelque temps après sa démission de ses fonctions de team manager de la sélection féminine de football, des vidéos la mettant en scène circulent sur les réseaux sociaux. Dans une première vidéo, on voit une dame qui semble être l'ex-lionne indomptable embrasser une jeune femme, présentée comme son ex-compagne. Dans la seconde vidéo, Eganamouit se présente dévêtue embrassant les pieds d'une fille dont l'identité reste inconnue. Dans une troisième vidéo, l'ancienne attaquante de Malaga apparaît couchée sur un lit et se faisant caresser les cheveux par la jeune fille de la première séquence. Après la diffusion de ces vidéos, des Camerounais n'ont pas manqué de faire des commentaires sur la toile. Tout est pardonné mais ne refais plus ça. Tu as grandi au rail et là-bas, c'est l'homme qui bombarde le Kosovo à la femme. Le succès et l'argent peuvent souvent nous donner des envies sataniques, d'où c'est important de se rappeler de son passé et surtout de notre point de départ. Certains me diront, elle a droit à une vie privée. Mais non, du moins une fois devenue star et surtout l'icône de toutes les jeunes filles footballeuses. L'homme politique camerounais conseille à la footballeuse d'aller se laver au village. Et comme je le dis souvent ici, faites vos choses en cachette. Laisse donc cette vie diabolique grande sœur, car au Cameroun, on ne badine pas avec les us et coutumes, c'est l'homme qui bombarde le Kosovo avec rage à la femme et non l'inverse. Va te laver au village. Restez abonnés sur notre chaîne. D'autres vidéos des joueuses de l'équipe nationale sont en notre possession. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.